On s'en doutait quand même, hein, mais le truc majeur, c'est que les moins de 65 ans ont eu aucune surmortalité. C'est-à-dire aucune. D'accord. Moins de 65 ans, les moins de 65 ans, ça représente 80% de la population. 80% de la population, ce sont des jeunes, des gens actifs, et voilà, c'est cette grosse partie de la population qui reste totalement insensible à ce qui s'est passé depuis le début du Covid. Et d'une manière générale, cette population-là est assez insensible aux événements sanitaires. D'accord. Donc, et les plus de 65 ans, qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, pour les plus de 65 ans, ce qu'on a constaté, c'est que la surmortalité était somme toute relativement faible. Elle était de l'ordre de 3,6%.